Hello ma petite team, j'espère que vous allez bien en ce mardi. Nous sommes mardi matin et il fait beau. Beau et ma frange, c'est pas terrible. J'essaye de la recoiffer bien toute seule, mais vous voyez, c'est une fois sur deux quoi. C'est pas une discipline évidente, la frange. C'est pas grave. Aujourd'hui, programme du jour. Alors, nous avons. Oh, Michael! Aujourd'hui, il faut bosser sur des trucs d'administratif un peu relou. Voilà. Pas très marrant, globalement. Et j'ai des petits trucs à faire. J'ai encore un contrat à refaire parce qu'il était pas bon. Donc, il faut que je le refasse. Et écriture. Et ce soir, je vais au cinéma. Cette fois-ci, je vais y arriver. J'aimerais bien un grand café glacé. Non mais et ça devient une habitude en fait par ici. Hein. Vous avez remarqué qu'ils fassent des trucs comme ça. C'est totalement une habitude. Est-ce que j'ai un petit truc un peu plus grand? Là non, j'en ai pas d'autres, hein, des trucs pour mettre le café. C'est quoi mon plus grand verre? Grand café, j'ai pas le choix. Ouais, je suis pas fan non plus la team, je suis pas fan non plus. Je rêve. Je t'aime, Michael. C'est pas du rejet que je fais. C'est juste que là, je fais mon café. Putain. J'en peux plus. Mais. Puis salle de sport, d'abord. Ouais. Voilà, c'était super. J'en ai foutu partout. Tu me mets des poils absolument partout. Et je sais plus quoi faire. Je sais plus. C'est tous les matins la même histoire en fait ici. Hein. Qu'il a mangé, qu'il a bu et qu'il a fait ses besoins. Inutile de vous le dire, évidemment. Toujours l'obsession. À la vôtre, la team. Allez. On s'est pas foutu de ma gueule, là. Désolée. J'ai un peu zappé de filmer ma préparation, la salle de sport, machin. Mais du coup, ça va. 13h, je vais déjeuner et puis je vais chez la psy. J'ai fini mes contrats. Écoutez, il n'y a plus qu'à attendre que ce soit validé. J'ai vraiment pas faim. Mais c'est pas grave. J'aimerais... Ah. Michael me parle... énormément. Voilà. Oui, mon chéri. Du coup, je suis allée écrire dans mon petit coffee shop. J'ai fait une marche d'une heure aussi. Je vous raconte. J'ai vraiment fait des trucs qui me faisaient du bien. Et je suis allée chez ma psy. Ça va. Ça va, mais j'ai des petites choses encore à améliorer. Par rapport à moi, quoi. Comme d'hab. Et à mes relations. J'ai reçu un gros colis. On va l'ouvrir ensemble. Mais je crois que... je sais ce que c'est. Allez. Hop.
vais chercher ce qu'il faut pour ouvrir. Je vais emmener Michael faire un petit tour dehors parce qu'il fait pas mauvais. Et là, j'ai l'impression qu'il a envie de sortir. Il est devant la porte. C'est quand il fait ça, dans ce cas-là, je l'emmène soit dans la cour, soit dans une petite rue à côté où il y a plein de plantes. Il peut juste se promener et tout. Et vous m'avez beaucoup demandé si Michael s'attaquait aux plantes et tout ça. Alors écoutez, il n'est pas du tout attiré. Allez savoir, il y va pas du tout. Donc, j'ai pas de technique par rapport à ça. Juste, il y va pas. Voilà, donc c'est tous les exemplaires. En gros, quand vous faites, vous sortez un livre, vous avez le droit de d'avoir des exemplaires pour vous, votre famille et tout ça. Donc déjà, moi, je vais en garder pour faire une exposition de ma propre personne dans mon entrée. Je vais en mettre à côté du livre de Léna Situation. Mais venez avec moi. Quand même, c'est un grand moment qui s'offre à nous. C'est la consécration, la team, c'est la consécration. Alors, exposition de ma... Je vais le mettre à côté de la peluche que Didier m'a offerte l'année dernière et de vos lettres. Parce que du coup, j'ai un petit coin où c'est un peu mon petit coin abonné. Excusez-moi, je reprends. En gros, c'est un petit coin un peu abonné et tout ça, avec tous les cadeaux des abonnés, des petites intentions... Voilà, et en gros j'ai du coup les petites lettres, en général c'est des petites lettres, et donc j'ai mis voilà la petite peluche que Didier m'a gentiment, oh trop mims, donc là, et j'ai mis à côté de la photo que ma belle-sœur a fait encadrer de Michael et moi. Elle avait pris une super belle photo de nous deux quand Michael était bébé, et du coup j'ai mis la peluche de Didier à côté, et on va mettre, hop, mon livre à côté. Oh, voilà. C'est irréel. Désolée, moi je trouve ça irréel. Je serais complètement dingue. Oh, je vais en mettre un troisième. Soyons fous la team, soyons fous. T'as vu Mikey? Maman elle a reçu ses livres et devine quoi? T'es dedans. Bah oui, je parle de Michael dedans. Je parle de notre rencontre. Je parle aussi du cambriolage. Parce que Michael l'a vécu pas très bien. Pas très bien, c'est le terme. Voilà. Ah, désolée, je ressemble à une folle dingue. Oh, c'est pas grave. Regardez. Et voilà. Manque plus qu'un César. Et Caroline sera comblée de bonheur. Non. En vrai, j'aimerais bien, en fait, jouer dans un film. Non, mais en fait, oui. Enfin, j'ai envie de jouer dans des films, vous avez compris. Mais j'aimerais trop avoir, vous voyez, par exemple, un scénario de poser ici ou quoi. Enfin, avec tous mes souvenirs en lien, du coup, avec mes rêves, quoi, tout simplement. Et puis, on a à côté, très rassurant, nous avons la peluche de Didier. Et après, j'ai toutes les petites lettres et tout qui sont là. Voilà. Voilà ma team. C'est pour vous. Et qu'est-ce que... Et en gros, pour moi, cette peluche donc, de Didier, elle représente pour moi vraiment mes abonnés, ma team. Elle représente l'amour que j'ai eu grâce à vous, le soutien, tout le courage que vous m'avez donné, toutes ces belles choses que vous m'avez... Parce que vous m'avez appris énormément de choses sur le fait de s'écouter. En fait, vous m'avez aidé en même temps que ma thérapie. Et d'ailleurs, ma thérapie n'est pas finie et je continuerai à vous partager mes doutes et tout ça. Faire des dédicaces. J'en ai fait pas mal déjà. Mais je vais faire des dédicaces pour vous, la team. On va se faire un petit concours, ok? On va se faire un petit concours. Je vais compter les livres que je vais envoyer à mes amis et à ma famille. Et le reste, ça sera pour vous en concours, ok? Ça vous va? Je pense que oui. Team. Et là, je vais envoyer aux personnes... je vais envoyer, voilà. Donc, est-ce que on se fait... Écoutez, je vais faire une petite liste de personnes à qui je l'envoie. Et je vais aller faire les envois cet après-midi. Parce que j'ai un petit peu de temps, là, et j'ai du matériel pour envoyer le livre. Donc, je vais faire ça cet après-midi. Et je vous dirai... combien il en reste tout à l'heure, ok? Comme ça, on se fait un petit concours entre nous, à la cool. Et puis, pour participer... je vais faire un petit formulaire dans la description, ok? Je m'en vais à la poste. Hein, Mikey? Oh, qu'est-ce qui se passe, mon lapin? Qu'est-ce qui se passe, mon loulou? Je te sors après. Je vais à la poste et je sors l'enfant. Il va gambader un peu. Hein, mon amour? Tu dors pas, hein?
quand je rentre. Parce que souvent, Michael, je lui dis je vais sortir et tout. Et puis après, il s'endort. Ouais, mon amour. Et après, il s'endort. Et là, il est parti pour 4 heures, quoi, vous voyez. Ça veut dire t'inquiète, maman. Ok, ma vie. Bon. Et voilà, je suis à la poste et j'ai emmené Michael se balader. Michael qui est en pleine forme. Je sais pas si vous voyez. Il était trop content de sortir. Hein, Mikey? Bah ouais. Puis après, il est rentré. Voilà. Bon, oui, mange. Faut reprendre des forces. Après ce périple dehors. Voilà. Bon, je vous ai pas montré parce qu'on est allé littéralement, genre, c'était reconnaissable là où on est allé. Et du coup, bah, comme c'est à côté de chez moi, je. Bon, oui, mon lapin. Oh, oui, c'était bien. Il a passé la. Bon, et puis après, il a voulu rester dans la cage d'escalier. Bon, ça, c'est son kiff ultime. Hein, c'était bien la cage d'escalier. Ah, bah oui. Il est monté tout en haut, puis il est redescendu tout en bas, en courant de toutes ses forces. Je sais pas pourquoi il y a un truc avec la cage d'escalier. Hein, Mikey, t'aimes bien? Il adore monter, descendre, mais pendant des heures, quoi. C'est fou. Il se défoule, en fait, je pense. Bah, tu vas faire un bon dodo cette nuit. Oui, mon fils. Oh oui. Oh oui. Regardez. Il est en forme, hein. C'était bien. On y retournera, si tu veux. Quand tu me demanderas. Tu lèves la patte? T'as quelque chose à demander? T'as quelque chose à dire? Oui! Maman m'a emmené dehors! J'adore! Oui! Non, pas la patoune. D'ailleurs, on va se laver un peu les patounes. Hein? Parce qu'après, monsieur, il dort dans mon lit. En fait, c'est pas très propre. Alors, là, je viens d'avoir la peur de ma vie vis-à-vis de Michael. Il était très en forme, trop en forme, là. Michael vient de sauter, littéralement, et de s'accrocher à la porte en haut. Comment vous dire que j'ai paniqué? J'étais en train de le filmer en fait parce qu'il était trop beau, il était sur le rebord de la cheminée et j'étais en mode il est trop beau et tout. Et là, il a sauté. J'ai filmé ça. J'ai pas fait exprès. Oui ma vie. Mais tu m'as fait hyper peur Michael. Tu te rends compte? Oh, Michael. Enfin. Il était là. Oh, tout en haut, coincé. Heureusement que j'étais là, t'aurais fait comment sinon? Oh là là, j'ose pas imaginer qu'est-ce qui se passe quand je suis pas là. En ce moment, Michael prend de la hauteur sur la vie. Tu m'as fait peur. Moi, je sais plus faire avec toi. Je sais plus comment on va faire. Avec tes bêtises. Plus tu grandis, plus tu fais des bêtises qui me font peur parce que tu te mets en hauteur. Alors, je pue, c'est ça? Tu peux... Ouais. Peur, j'ai le droit de te le dire. C'est pas bien. Je sais pas comment on va s'en sortir dans cet appartement, Michael. Je sais pas. Ton éducation, c'est de pire en pire. Hein. Je sais pas comment faire la team. Je sais pas. Je sais plus. C'est comme les gens qui disent il y en a marre du moment du transfert. Moi, je suis... tout fout le camp. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Michael, je vais au cinéma. Si je te retrouve en haut, coincé, en rentrant, tu pourras t'en prendre qu'à toi-même. T'entends ce que je te dis? Oh, c'est inutile de... Hein? De me regarder comme ça. Il me regarde genre... Tu es beau. Bien sûr que tu es beau, tu es mignon, tu es mon petit chat, c'est... Évidemment. Mais Michael, là... Là, t'es un ado rebelle, quoi. L'appartement, il est super grand. Attends, on a de la chance. Je t'emmène dehors. Et j'ai essayé de lui prendre une copine. Il en voulait pas. Il l'a martyrisé, il l'a frappé. Il l'a mordé, il l'a traîné par terre. Hein, Michael? Tu veux qu'on explique ce qui s'est passé? Tu ne veux pas d'amis. Comment on va faire? L'autre jour, t'as pété la gueule du voisin chat. Il a pété la gueule du voisin chat. Il lui a pété la gueule. J'étais vachement gênée. Déjà, il s'est introduit par effraction chez les voisins. Chez son voisin chat. Et il lui a foutu sur la gueule. Imaginez-moi, comme j'étais gênée. Les voisins, pas contents.
Je conçois, je conçois totalement. Bah ouais, mange ta pâtée, ouais. Fais ça. Ah, j'étais vachement gênée, hein. Bah, vous imaginez le truc? J'ouvre la porte, je dis bonjour à ma voisine. L'autre, il rentre et il pète la gueule du chat. On en est là. Mes relations de voisinage ne seront pas impactées par ta mauvaise éducation, jeune homme. Je sais plus quoi faire. Je sais plus quoi faire. J'ai honte. J'ai eu honte de ce jour-là, Michael. Ils vont plus nous faire confiance, ces gens-là. Tu imagines, pour le chat d'en face, il se dit quoi? Il se dit, ah bah super, il y a un mec qui peut me foutre sur la gueule dès que je sors, quoi. Et qui peut rentrer chez moi. T'imagines le stress que tu as mis à ce chat? Je suis très gênée. Très très gênée. J'ai retrouvé Michael, la patte levée comme ça, sur le chat. Ah non, mais... Vous savez... Je suis au cinéma, moi. Tu restes bien gentil en attendant, hein. Je fais tout ce que je peux, Michael. En fait, Michael veut énormément d'attention et veut beaucoup jouer et tout ça, donc je le fais avec lui, je joue énormément avec lui et tout. Je vous avais déjà dit tout ça, mais là, il est aventurier, quoi. Et casseur de gueule. Pour notre plus grand plaisir. Je suis allée voir le film. J'en reviens, là. Le fil. Avec Daniel Auteuil. Deux Daniel Auteuil aussi, d'ailleurs. Très fort. Très très fort. Oui, ma vie, bonjour. T'as fait des bêtises pendant que j'étais pas là? Je vois rien, là. Allez, viens faire un câlin. Tiens, maman. Tu sens la pâtée. T'es une boîte à conneries en ce moment. T'es une boîte à conneries. Ouais, super film, je vous le conseille. Très bien. Très très bien. Écoutez, je vais dîner maintenant. 22h. Voilà. Même si pas très faim, quoi. Enfin bon. Et ouais, demain c'est tournage avec France Télé. Super contente. Super contente, on est sur quelque chose de pas mal. Beaucoup de temps à l'écran, donc je vous dirai quand ça sort, évidemment. Et puis oui. Et puis ce vlog sortira demain avec un petit jour de retard. Voilà. Pardonnez-moi.